Alors, c'est le mois de décembre. On a eu déjà des nuits assez froides. Il n'a pas encore gelé, mais le thermomètre s'est approché dangereusement de zéro. On a eu beaucoup d'eau en fait depuis, on va dire, même depuis la mi-août, on n'a pas à se plaindre. Voilà, c'est des bonnes conditions. Vous allez voir que beaucoup de plantes sont encore en feuilles. Voilà. Alors, dans la serre, les abioux, donc Puteria guyanensis, pardon, sont pas ont un petit peu du mal. Il y en a un qui a complètement grillé. Je pense pas que ce soit le froid. Voilà, bon, j'ai peut-être qu'il va il va repousser. J'ai mis des graines de Jack, le fameux jackfruit d'Andalousie qui était si bon. En ce qui concerne l'Inga, il a l'air d'aller encore assez bien. Et puis le peanuts butterfruit, lui semble bien aller. Voilà. Alors, je voulais aller dans la serre pour vous montrer essentiellement une chose assez incroyable, c'est que j'ai un plant de safou. Alors j'en avais trois avant et il y en a un qui a résisté aux conditions. Le safoutier est considéré comme un arbre équatorial. Il pousse pas n'importe où, même en Afrique. On m'avait dit que les tentatives d'acclimatation dans les îles Canaries n'avaient pas marché. Et là, j'en ai un qui a résisté à... Il a dû faire plus 2, plus 3 dans la serre, quoi. Alors, il a des petites taches brunes. Mais il est loin d'être mort. Voilà, donc belle surprise. Voilà, le reste des plantes, le café, les litchis, le manguier. Avocatier, tout ça, ça va plutôt bien, hein. Voilà. Là, je vais planter quelques chirimoyas et quelques avocatiers cet après-midi. Alors, ce mandarinier qui est petit, hein, c'est un keraji, donc que j'avais acheté chez Monsieur Riera. Alors il y a eu un petit problème, c'est que mon ami Jorg a marché dessus et le plant a été complètement cassé. J'ai mis une petite attelle et visiblement ça a l'air d'aller, j'espère. Donc vous voyez la dimension des feuilles. Elles sont assez petites. Voilà, donc on va dire qu'elles font la taille de mon pouce à peu près. Alors, voici le même kéragie. Et vous voyez la taille des feuilles. Elles sont au moins 2 fois plus grosses. Voilà, alors c'est le kéragie que vous venez juste de voir avec les deux petits fruits. Donc là, je l'ai greffé au mois de juillet, je crois, sur un macrophylla. Et vous voyez, le développement de la plante est très très différent. Alors, au niveau des figuiers, j'ai eu des belles pousses à l'automne. Et vous voyez, ces pousses automnales commencent à hôter. Donc c'est un peu tard. Mais bon, pourquoi pas, et j'aurai probablement quelques figues fleurs. Voilà. Cette variété, je l'ai trouvée à Nîmes,
je la trouve très très bonne, autant en figue fleur qu'en figue fruit, qu'en figue d'août. Et j'ai un souvenir qu'elle produit assez bien dans les deux cas. Donc ben, je serais curieux de connaître le nom. C'est une figue blanche. Alors restons dans les figuiers. Là vous voyez donc le Languedoc. Les fruits sont en train de se développer. Bon, je pense que c'est même pas que je pense, je suis certain que ça va pas grossir parce que je pense pas que les fruits puissent attendre le printemps prochain et passer un hiver. Voilà, bon, c'est assez. En tout cas, moi, ça me motive à mettre une variété à trois fructifications dans l'année, parce que je pense qu'on a vraiment très souvent les conditions favorables pour que les trois fructifications se fassent. Alors j'ai profité des conditions hivernales un peu pénibles, non pas pour faire les murs, mais pour mettre de la terre et du BRF bah, au niveau des restanques. Voilà, parce que le problème du BRF, c'est que ça se décompose et le niveau baisse. Donc j'ai mis de l'argile, enfin de la terre argileuse, on va dire. Voilà. Et puis, ben, je trouve que j'ai un beau néflier ici. Ça doit être un néflier de semis. Qui a pas la maladie. Toujours un néflier du Japon. Donc, bah celui-là me fait des fruits pour la première année. Voilà. Bon, normalement, si l'hiver n'est pas trop rude, ça devrait donner. Je ne sais pas trop quelle variété c'est. Je suppose que c'est un semis d'un bon fruit que j'avais consommé. Alors j'aime bien cette vue-là parce qu'on voit bien donc le sapote blanco ici, qui est magnifique, et puis la cime de l'avocatier type mexicain qui dépasse maintenant le toit. On ne sait pas trop comment ces deux arbres vont réagir à l'hiver qui va venir. En tout cas, le sapote blanco a un feuillage magnifique. Ah, je crois qu'il n'a jamais été aussi beau. Encore quelques avocats. C'est les derniers. Bon, j'en mange de temps en temps. Alors, je suis pas le seul à les apprécier. Je pense que l'écureuil ou les rats les adorent également. Alors, sur ce mandarinier, on avait déjà vu la dernière fois que certains fruits avaient changé de couleur. C'était drôle parce que c'était vraiment pas ceux qui étaient le plus exposés au soleil. Voilà, bon, il fait pas beaucoup de fruits, cet arbre. Bon, il a jamais vraiment beaucoup produit. Donc, cet oranger, donc oranger de Sicile, va bientôt mûrir. À mon avis, c'est une variété un petit peu tardive qui doit être. Bon, les oranges doivent être bonnes au printemps ou fin d'hiver. Au niveau du tamario, donc malgré les faibles températures, les fruits continuent à grossir. Par contre, je pense que ils auront pas assez de chaleur pour parfaire leur maturité pendant l'hiver. Il faudra attendre probablement le printemps si les conditions hivernales sont satisfaisantes. Alors, revenons aux agrumes. Ici, on a l'oranger Washington,
qui fait des très très belles oranges, hein, vraiment pff, au moins celle, la taille de celle du commerce, hein. Il n'y a pas de souci. Et la maturité, ben, généralement, c'est une orange qu'on mange à Noël. Voilà, donc ça devrait pas tarder. Les limquats ben, grossissent bien, contre toute attente. Là encore, leur avenir est suspendu à la douceur de l'hiver. Très joli kumquat. Bon, l'arbre est assez vieux et c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup poussé, mais. Mandarine. Alors, c'est un arbre que j'avais acheté il y a une dizaine d'années chez Truffaut. Contre toute attente, il produit assez bien parce qu'en fait, j'avais l'impression que il n'y avait aucun fruit et en fait, les fruits sont apparus, me sont apparus parce que ils devaient déjà exister vers la fin du mois d'août, après les premières pluies, parce qu'avant ils étaient trop petits pour les distinguer. Ce clémentinier dégage un très très bon parfum, mais les fruits sont vraiment minuscules, de sorte que je sais même pas s'ils sont vraiment très bons, parce qu'il n'y a pas grand-chose à manger. Voilà, ils ont la taille d'une petite olive. Alors au niveau des feijoas, il y avait des feijoas sur l'arbre, mais je les vois plus. Bah, c'est normal, ils sont par terre. Hop. Voilà, bah, ça c'est une olive. Ah, il y en a un autre, il y en a un autre. Voilà, la petite cueillette. Ah, oh, bah, il y en a d'autres là. Hop. Donc, feijoas du mois de décembre. Et c'est en fait la récolte de l'année. Donc, ils sont tombés par terre, ils doivent être mûrs. Ah, j'en vois d'autres là. Vraiment petit. Alors les arbousiers, c'est un arbre vraiment magnifique à cette époque de l'année avec les fruits rouges. Puis il y a les floraisons en même temps, c'est splendide. Alors je suis un petit peu déçu parce que en fait j'aime pas beaucoup le fruit. Je pense même pas à les récolter. C'est dommage parce que j'en ai beaucoup beaucoup planté. Bon, heureusement, les oiseaux apprécient. Ben, je pense que je vais cesser d'en planter. Moi, bon, c'est un arbre qui se plaît beaucoup. Et regardez, je récolte pas du tout les fruits. Je m'en désintéresse complètement. Ouais, je devrais quand même de temps en temps regoûter, on sait jamais, mais voilà. Ben, sur cette belle image, je vous dis à bientôt en espérant que l'hiver ne va pas être trop violent et que mes arbres vont résister. Et les vôtres aussi. J'aime beaucoup le feuillage de cet avocatier. Il est un petit peu rougeâtre,
très grandes feuilles hein, qui font jusqu'à 30 cm de long. Il est à l'ombre du casimirois et d'Ulysse. Il a l'air de se plaire. Peinard, à l'aise. Bon, je vous souhaite un bon hiver. Hein.